On pourrait penser que l'apartheid c'est à l'envers. Les colons qui sortent comme s'ils étaient des lions dans des cages. C'est leurs soldats qui les défendent pour entrer dans la cage dans laquelle vivent les Palestiniens. Et Hebron, c'est la place vraiment où on expérimente entièrement l'apartheid. Les gens n'ont pas la possibilité de bouger à travers les zones où ils habitent. Donc cette zone H2 qui a été élargie énormément et qui continue à être élargie, c'est pour enfermer à l'extérieur les Palestiniens et laisser bouger facilement les colons à l'intérieur. Mais les Palestiniens qui vivent à l'intérieur de cette zone sont bloqués continuellement. Ils sont arrêtés, ils sont fouillés dans leurs sacs, dans les sacs des enfants quand ils vont à l'école au matin, dans les sacs des femmes qui rentrent de faire ses courses. Et cette condition d'apartheid rend la vie impossible aux gens. C'était il y a 2 jours, c'était le Yom Kippour, et 2 jeunes hommes de 17 ou 18 ans, ils ont été arrêtés au checkpoint. Pourquoi ? Seulement parce que leur âge est l'âge dangereux pour les Israéliens. À cet âge-là, ils sont des terroristes possibles. Donc ils ne pouvaient pas aller chez eux, 40 mètres loin du checkpoint. Stones, empty water, urine, acid water, nails, sands, through this wires come through. The shop owners can open here, but for whom? People feel afraid to come to this way, and recently they have a bridge over there to connect the left side of the settlement to this building, and they changed this area to be closed military zone. They keep it as a store for the new expansion. So they are going to expand from left side to the right side to expand it and to enlarge their settlement more and more. Yeah.
No, you have to actually hold it in your teeth as you put it in. There's many ways for the revolution. Not the, the revolution, I must hold my gun and go to the settlement and poof, 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 poof. And there is a sniper there. He will see you before when you and he will kill you. And then, okay, bye-bye, I become a martyr. And that's it. We lose one Palestinian. No, our revolution, it came from the minds, with the dreams, with the art, with the theater, with this feeling of liberation, with this feeling of the hope. We want to do our situation better. We want to do another world. This is a big revolution. Our revolution started from the stage. From the stage, we can say our message. We can tell all the world about what the Palestinian here feeling in Nabi Saleh, in Nablus, in Jenin, in Hebron, and everywhere in this country. We give a space for the people to say what they want to say. اسمي زليخة المحتسب. أهلا وسهلا. ساكنة بشارع الشهداء. وأنا بصراحة زعلانة كتير لأني حاسة حالي سجينة في بيتي. شعور زليخة إن هي حاسة إنها سجينة في بيتها، فهذا عاملها زعل. شعور زليخة، خلينا نشوف. تفضلوا شباب. Yeah.